Je crois en moi. Il y a une raison pour Dieu créer l'homme, c'est pour l'homme adorer le glorifier. Je ne sais pas si un monde qui est aussi amour que ça pour lui faire passer l'éternité à Débora, m'a bloué, pour me satisfaire l'ego surdimensionnel. Est-ce que Jésus t'est fait vrai? Est-ce qu'il t'est mort? Est-ce qu'il t'est ressuscité vrai? Est-ce qu'il t'est enlevé vrai? Pour même ni bon Dieu, ni Jésus, ni Satan, business. Ça est business. Il faut créer la peur chez les gens pour y aller vers ça qui est bon. Il n'y aura point de chrétien si vous effacez mental tout le monde et puis vous effacez Satan dans la Bible, vous rebaillez mon livre. Toute la spiritualité vient de Dieu. Mais la seule différence, c'est que Dieu n'aime pas Adam. Dieu aime son fils Jésus-Christ. Mais toutes les autres spiritualités viennent de Dieu. Mais Dieu est amour, comment il ne fait pas aimer Adam? Non, Dieu n'aime pas. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Je te pose une question tout à l'heure, mais il n'y a pas de sa raison. Qu'on y a besoin de justifier ça. Ou dis-nous, Jésus-Christ, c'est le Dieu du christianisme. Ah oui? Quelle différence qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, si vous voulez me dire comme ça, ou bien Jésus et Yahweh, avant de passer parole avec toi. Quelle différence qu'il y a entre Dieu le Père, Dieu le Fils? Alors moi, personnellement, je ne me dis pas comme ça. Ou me dis-moi, en allez, Jésus, le Dieu du christianisme, et Yahweh. Paul dit, ce mystère est grand. Donc, il était un mystère. Qui s'allie parce que logiquement parlant, il n'y a pas qu'une compréhension là-dedans. Pour dire un Dieu, un seul Dieu, mais qui en trois personnes. Donc Dieu, Yahweh, à savoir Yahweh, c'est un Dieu. Même Jean Israël, chaque matin, il dit Dieu est un. Israël dit, quand c'est qu'on se revient, chaque matin, il dit, Timon, ça, il dit, tout le monde, notre Dieu est un. Donc Dieu est un, pas gain deux. Pas gain deux. Mais tandis que, dans la dispensation, il manifeste sous trois figures différentes. On va aller rapide. Exact. Dans l'Ancien Testament, c'était le Père. Dans la Nouvelle Alliance, c'était le Fils. Et dans l'ère de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Okay. Mais c'est toujours Dieu qui se manifeste. C'est comme, c'est comme moi, les juniors, moi, médecin, moi, avocat, et puis moi, agronome. Donc, lorsque moi, dans les champs, c'est l'agronome, mais c'est toujours junior. Lorsque moi, dans Baoua, c'est l'avocat. Donc, on parle de Jésus-Christ comme le Dieu du christianisme, yeah. Ou on parle aussi du Père. M'a parlé aussi du Père. Et Jésus dit, dans Jean 14, il dit, Philippe dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Mm-hmm. Ne vois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Super tard. Qui sa histoire ça, qui s'est raconté là, il dit, pour qui ça l'inspire ou qui s'en comprenne? Ok. Donc, moi-même, normalement, gain un peu de monde qui toujours parler de croyance entre religion avec vaudou, on toujours faire le point pour yo pour me faire comprendre que vaudou vie pas gain croyance parce que nous-mêmes nous basons sur des faits parce que croyance engendre la foi et la foi que pasteur a gagné et la foi étymologiquement qui c'est quoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu crois. Parce que tu as l'espérance, soit de yon base que quelqu'un t'a écrit déjà, qui promet yon bagay. Donc, ta foi, il faut croire, sans pas gagner assurance pour ça. Mais, ou croire quand même, parce que c'est ça qui est la foi. Tu te mets à trembler, à gauche, à droite, vents et marées, et tout ça qui vient en évidence, garde ta foi. Donc, normalement, pour me rebondir, sans pas essayer de démanteler encore une fois, parce que nous, notre atmosphère d'harmonisation, c'est pas de dualité. Donc, le concept de trois personnes, de Jésus et Dieu, le Père, le Saint-Esprit. Fils, ok. Parce que là, font belle râle et mène vini pour nous, pour le faire nous comprendre que le Dieu de la Bible, c'est une unicité. Et unicité ça li approuvé et que gan pile l'autre nation tout qui approuvé mais il y a des écrits dans cette même Bible qui fait nous comprendre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique donc c'est est-ce que li voyait tête li ou bien il te voyait un petit vraiment. Puisque l'histoire d'unicité n'est pas divisée entre petit papa et latrier, est-ce que c'est bon Dieu qui devine mourir? Donc tout ça a soulevé des questions. Ok? Et à partir de là. Alors, est-ce qu'on connaît l'histoire de Jésus?
Personnellement, ce n'est pas une question de quoi. Et si je réponds directement tant que tout le monde normal, je dis non. Mais si je réponds pour tout le monde comprendre le courant, je partage en tout, je suppose que pour qui ça me pas quoi. Normalement, je vais laisser expliquer un bagage qui est assez rapide. Déjà, dans l'unicité que je souhaite comprendre, il n'y a pas trois personnes. Donc, là, je suppose que tout le monde t'a doué d'accord que bon Dieu va te voir petit lit. Donc, ça veut dire soit Jésus, il fait. C'est ça, t'as supposé, si c'est l'unicité. Non, pas dit, ça t'as supposé. Non, je dis ça déjà, je ne pas répondre ni par oui, ni par non. Je voulais ou même, Captain Do fait tel ou travail pour comprendre la question en tout. Puisque son unicité, et puis Bible dit que yo voyez, bon Dieu voyez fils unique. Li. Donc normalement, tu as supposé un détachement, pour ne pas dire un dédoublement, ou bien pour ne pas dire tout deux mondes à part, mais si son unicité, son seul monde. Donc, est-ce que moi, je comprends, c'est pas, déjà, bien mission de Dieu, moi pas venir si gain tak ou tak parce que nous voulons chita en tant que jeunes pour nous joindre vrai chemin nous. Donc si m'pa comprendre nos bagaille, m'a poser question au lieu pour est-ce que ouais. Donc m'a poser pasteur nous question. Okay. Est-ce que unicité ça, li pa ta vle di qu'on y a que bon Dieu pas jamais voyer petit li vraiment. Donc c'est bah, ça. La Bible dit Jésus-Christ c'est l'image visible du Dieu invisible. Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Même les anges de Dieu, ils n'ont pas accès pour voir bon Dieu. Dieu habite dans une lumière inaccessible. Et la Bible claire que Jésus-Christ, c'est l'image visible du Dieu invisible. On t'a dit tout à l'heure, à élaboré, Paul, l'apôtre Paul, il t'a dit que ce mystère est grand. Donc, il n'est pas conseillé pour qu'on essaie de percer et sonder un mystère. Parce que un mystère, déjà, par définition, c'est un bagage qui est insondable. Donc, vous voulez dire là, faut que ta, c'est accepter le jali, hein? C'est ça? Non, le problème, c'est que ta, il refusait croyant. Bien, alors, elle dit croyant, mm-hmm. Alors, et pas c'est, on comprend ça, me dit, hein? Bien que tout le monde qui tout voulait, qui tout parlait, ou monde a parlé d'accord, mais nous tous croyants. Okay. Même dans la tête ou après. La question, ça pour me comprendre la réponse, c'est que Dieu est un mystère, il faut que nous acceptions le concept. La Trinité. La Trinité. Okay. Donc, mode d'opération Trinité, Trinité là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, soit c'est logique, ou après, il n'y a pas raison. Soit c'est logique, ou après, la Bible, mais ce n'est pas vrai. Il était un mystère. Un mystère pour expliquer que le Père est le Fils est le Saint-Esprit. Ça, c'est compliqué. T'as ou accepté ça ou non? Non, c'est très compliqué. Ou comprendre ou accepter? Non, j'accepte pas parce que normalement, l'unicité dont tout le monde parle, il t'a supposé, voyez-nous, dans la logique et dans le questionnement, ou du moins dans le perçage du mystère. Pour qui ça? Parce que toute réalisation qui est faite ici, c'est approche scientifique qui est faite. Qui c'est bon approche d'Ambala, parce que normalement, qui ça qui est arrivé concrétiser si vous n'avez pas de connaissance solide d'abord. Donc, nous trouvons que nous arrivons dans un siècle qui est assez dépassé pour nous obéir quoi, vraiment. Parce que nous suffit à nous-mêmes, dans notre essence, nous arrivons dans un point côté. Nous supposons libérer nous de quelques dogmes. Je ne dis pas dans la globalité, spiritualité, parce que ça, nous, que tout le bagage est faussé. Mais, il y a des bagages, faut que nous admettions que n'y a pas de sens vraiment. Et sans essayer de causer dualité, je vais expliquer la question sans sens. Si vous parlez de Trinité, et puis devant, nous démantelons les pour une unicité, donc, vin pa gen pluralité ça encore vin gen unicité donc si gen unicité c'est unique et pasteur ça nous d'accord et tout et si nous d'accord pasteur ça nous remet bible tout pour ta démentir la bible puisque même verset bible ça dit que Dieu voyait seul grain petit garçon li
Donc s'il voit celle d'un petit garçon, il est obligé de gagner un papa et un petit. Et si qu'on y a la logique n'a pas sa place, eh bien là nous entrons dans le monde côté et le réel aussi pas une place. D'après mais rapidement ajoute ton bagage et puis poser une question tout. Oui, on t'a pas dit ça, faut me poser le. Oui. Donc c'est chose spirituelle, on t'a même posé le. Oui, on t'a vraiment posé une question. Ça me devait ajouter c'est que on me poser question d'abord parce que ça me devait ajouter je sais qu'à tes esprit. D'après ta comment t'a dit ça? Dieu pas un monde. Dieu pas un monde. Donc d'après mais est-ce que tu as qu'a dit mais est-ce que lui ouais bon Dieu dans la même dimension à l'homme? Et s'il parle dans la même dimension à l'homme, pour qui ça, il a besoin de comprendre logiquement la démarcation de bon Dieu. Puisque parle, si vous êtes bon Dieu dans la même dimension à l'homme, est-ce que vous croyez, bon, pas dit bon Dieu, vous n'avez pas connu bon Dieu, est-ce que vous croyez intelligence artificielle, ou du moins, vous architecte de l'univers, comme vous ne comprenez nous comprendre ça. Et quelle que soit la façon de comprendre, hein, si vous parlez dans la même dimension à l'homme, est-ce que comment au parle dans la même dimension à l'homme est-ce qu'on a interprété ligne de démarcation bon Dieu dans la logique. OK, on va rentrer dans la question divinité ça ta pour bon Dieu même après tu dans une lignée cap favorable pour nous tous les deux et puis on apprend de l'autre parce que c'est base tout débat. Et pour moi bonne question là, il faut d'abord comprendre courant que m'a fait passer m'a posé une petite question tout petit ou puis répondre pas oui ou pas non c'est pas bon. Est-ce que depuis le ou fait ou rappelé au des premiers jours des premiers gain l'esprit quand non ou pas rappelé et tout ça qui fait dans un moment donné donc des gon laps de temps côté le commencer donc normalement ou supposé qu'on on repère et repère ça c'est lui même qui parle base là qui parle d'où mettez l'aime son j'aime des premiers gain d'esprit pas gain on là qui l'un des premiers prend conscience de tête nous on y crête et puis nous on nous petit garçon nous on nous petit fille. OK donc normalement et message inconscient ça que nous joignent que nous pas gagnons idée de qui côté nous sorti qui première fois nous prend conscience de tête nous il pas là par hasard c'est justement parce que nous t'es là, nous là, il n'a toujours là. Nous sommes des énergies, nous sommes des êtres de lumière qui sillonnent la terre et puis qui peut aller, qui peut retourner, qui peut aller, qui peut retourner. Mais aller retourner, on n'a pas de fait n'importe quoi. Il est supposé fait dans le but d'améliorer le physique. Donc normalement, et je ne crois pas en Dieu, je crois en moi. Pour qui ça me coûte dans la tête moi? Me coûte dans la tête moi parce que outre ce physique. Nous connaissons c'est une boule d'énergie, ok? Et boule d'énergie ça a un pile pouvoir la carrière, il y a un pouvoir d'attraction, il y a un pouvoir pour. Normalement, nous pas besoin qu'on ait un monde qui dit que le paradis se résume à paradis à résumé à passer l'éternité à louer en l'autre être. C'est purement de l'esclavage. Pas qu'à passer l'éternité, ma blou, au monde, au CCC, au CCC, là. Ça vient de mettre nous. Non. Donc, pasteur, si vous dites que la pasteur, ça non, c'est non esclavage. Non, attends. Non, tout à l'heure, son question m'a posé tout à l'heure. Vous voulez faire me sentir pasteur, ça non, esclavage, le fait que la ploue, bon Dieu. Ma force senti que un pile monde dans une matrice que nous devons sortir. Pour qui ça? Parce que l'autre conscience de tête, vous venez comprendre que vous pas. Ou pas obligé de être suprême sous tête ou parce qu'on suffit à toi-même. Normalement, le bien et le mal, c'est deux concepts qui sont personnifiés. Yo dit, yo c'est bon Dieu, l'autre c'est Satan. Okay. Mais la balance, c'est toi et moi. Et avant, on continue. Et je ne sais pas qu'il y a un monde qui est aussi amour que ça pour lui faire passer l'éternité à débrouiller, m'abloué, pour me satisfaire l'ego surdimensionnel. Parce que moi-même, je ne viens pas pour me faire personne, ni aucun autre être plaisir, je viens pour m'évoluer. C'est ça que j'ajoute en parole. Ajoutez rapidement. Ça me d'après me dit c'est que vous connaissez, moi je crois que même si Haïti sous-développé, le monde évangélique est sous-développé tout. Même si j'entends il y a prenant l'autre vaudou, le monde vaudouesque dans le premier temps, li, bon, pas dire dans le premier temps, jusqu'à présent, il est très sous-développé. Ouais, moi je dis ni le monde évangélique ni le monde
et vaudouesque. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que pendant plusieurs années, on enseigne nous que nous avons servi Jésus pendant le ciel pour tout le temps. Pour nous louer. J'ai entendu là. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans le sens que nous avons le ciel pour l'éternité. Parce que nous sommes des êtres physiques, nous sommes créés pour nous vivre sous terre. Donc, l'Église a dit pour l'enlever pendant un laps de temps pour aller dans l'événement que les noces de l'agneau. Mais après, l'Église a retourné vivre sur la terre. L'homme vit sur la terre, l'homme vit sur la terre. Le but, je dis la vie, par définition, c'est le fait de vivre toutes les raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Donc, il y a une raison pour Dieu créer l'homme, c'est pour l'homme adorer le glorifier. Donc, adorer, Bible dit, adoration, c'est une vie. Adoration, ce n'est pas des gestes. Donc, il y a des gestes qui rentrent dans l'adoration. Je comprends. Mais ce n'est pas une vie. Ok. De merle, donc et puis en plus, il m'a même voulu dire, excusez, il m'a même voulu ajouter pour tard, t'as li quoi que fait toute voix pas de homme. Si c'est le cas, donc et c'est un pur esclavage. Même d'après même comprendre que le monde il fonctionnait selon l'image de Dieu. Même dit l'image de Dieu. Je vous dis à là, et staff technique qui travaille à qui au monde. Peut-être il comme entrepreneur donc il entreprend des bagages mais il y a deux monde peut-être qui travaille ensemble avec lui si je ne m'abuse. Donc ça veut dire c'est l'image de Dieu même. Dieu l'église c'est le champ de Dieu, n'a travaille avec Dieu. C'est pas nous pas obligé au premier degré welcome de l'esclavage parce que nous mêmes on a travaille avec des hommes et c'est le monde fonctionne comme Dieu. Bon, pas de problème. Mais si tu as compris davantage, je prends envie d'ajouter, mais je suis obligé d'avancer moi-même dans le débat. Monsieur et pasteur, question c'est pour vous. Est-ce que Jésus t'est fait vrai? Est-ce qu'il t'est mort? Est-ce qu'il t'est ressuscité vrai? Est-ce qu'il t'est enlevé vrai? Aussi cette question. En seule façon, je prends une question ça. Jésus-Christ, c'est le sujet central du monde. Et ça t'a supposé interpeller plusieurs intellectuels. Pour qui ça, Jésus-Christ, c'est le personnage qui a plus de livres qui écrit sur lui? Pour qui ça, Jésus-Christ, lui fait près de 3 ans et demi de ministère, lui pas fait 2 pays. Jésus-Christ pas écrit aucun livre lui concernant. Jésus-Christ pas comme Alexandre le Grand. Jésus-Christ pas comme Confucius, comme plusieurs grands philosophes. Mais pourtant, je vous dis à là, le monde contourne autour de Jésus. D'ailleurs, Jésus est son point central. Et c'est le Jésus qui a dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ok. T'as bon vidéo fait sur TikTok qui dit ni bon Dieu, ni Satan. C'est deux concepts qui... Alors, c'est business. Mm-hmm. Voilà, c'est business. Qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire de Jésus-Christ pour vous? Tout est faux. D'après moi. Je vais laisser expliquer un bagage. Et pour ça, je vais faire historicité. Nous avons... On a des pyramides. Nous avons histoire nous, qui est claire, qui a une date devant nous. Donc, normalement, nous, c'est des Noirs qui sont déportés. Et différence idéologique, il y a sorti de là tout parce que nous différents dans l'idéologie, nous parce que c'est plusieurs peuples nous te prend en Afrique pour venir là. Donc normalement, avant l'esclavage, on n'avait pas ce Jésus et nous t'as vivre normalement. Et nos grands-parents étaient des reines et des rois de Kathiopa, la terre de Kemet. Mais immédiatement, même avec le roi Léopold II, les ouvins ban nous Bible, les ouvins baptisés nous pendant notre sortie dans l'église. Hein? Nous venons de faire une christianisation qui vient faire qu'on y a là ce même concept qui vient rendre nous dociles comme des agneaux, comme des moutons. Pendant ce temps, il a fallu qu'on soit comme des chevals, en bon créole, comme des chevals pour nous prendre liberté. Nous. Donc, normalement, je pense que c'est un Dieu si libérateur, si sauveur, avec un petit qui tellement aime l'humanité, si tu es pour délivrer nous d'un esclavage pendant plusieurs milliers d'années, ça a noté pour un. C'est lui-même qui t'a descendu venir. C'est pas un certain qui t'a fait boire caïman. Donc, pour même ni bon Dieu, ni Jésus, ni Satan, c'est un business. Il faut créer la peur chez les gens pour y aller vers ça qui est bon. Ça qui est bon, ils mettent comme bon Dieu. Satan, c'est ça, tout le monde perd, ils ne peuvent pas aller dans l'enfer. Donc, cette peur, même si on connaît que l'hypocrite à tête, il fait tout ça qui n'est pas bon, il est toujours en poste de raïs Satan. Pendant qu'il dit Satan, c'est le mal, pourtant, il a fait des bagages en cachette qui n'est pas bon. Parce que on a business là tout, ou bien. Ou pas d'accord. Question entre dire il n'est pas supposé, il n'est pas pasteur qui visait, mais il est supposé embrasser l'idéologie. Parce que normalement, Mbadjo. Donc c'est l'idéologie net qui visait ça. Il n'y aura point de chrétien si il efface mental tout le monde et puis il efface Satan dans la Bible et il rebaille mon livre. Ok? Donc normalement, être chrétien, c'est avoir peur d'aller en enfer. Et l'enfer, c'est.
tout ça qui entoure nous là. Même j'en parle à dire, c'est tout ça qui entoure nous là. L'église catholique entre 14 millions, 15 millions chaque année. Par peur, mon yo baye la dîme. Ainsi soit-il, j'en ai dit là. Pasteur. Alors, moi, ça me dévle, alors ça me d'après rectifier, c'est que, pas plus bon pour moi, on peut accepter Jésus par peur d'aller en enfer. M'a accepté Jésus par peur. Mais on accepte ses business. Même si on t'a dit, bah, il y a enfer, m'a prêté chrétien parce que, au qu'on est, réagir sur business là. M'a préagi, moi, bah, il t'a en pile raison dans ça, ça parce que, nous, ils ont mal présenté Jésus. Ils ont dit accepter pour parler en enfer. Donc, depuis la façon, ils ont beau l'évangile, tout peur. Parce que c'est l'amour que je dois prêcher. Moi-même, dans mon cas, j'accepte Jésus par amour. Même si tu as dit que je n'ai pas fait ma peau de chrétien, parce que c'est même moi-même Jésus, c'est pas peur de l'enfer. Est-ce que son business, ça c'est en conception, son opinion. Donc, même si tu as dit que je n'ai pas son croyance, que il croit que son business, il croit que son fable. Même tu as posé une simple question à toi, qu'en est-il de monde qui expérimentait côté négatif là que nous les Satan et côté positif là nous les bon Dieu qui de monde qui gagne de vraies expériences avec Dieu. C'est des bagages, une expérience ou pas qu'à inverser une expérience, c'est une expérience. Comment connaît-il de deux mondes ça yo, de monde qui victime par la magie, par la sorcellerie, par bagages ça yo. Donc que nous connaît que yo bail comme patron le diable là, Satan. Mais tu as dit Satan la business là tout oui. Tout net Satan. Yeah, mais connaissez-vous du monde ça qui victime? Mais même t'as là qui sont quoi honnêtement? Je n'ai pas de croyance, je me base sur les faits. Moi, je connais loi mieux là parce que les dambala pour un pied à terre, vider si au doja et puis. Li... Qui ça qui dambala même? Dambala c'est une loi qui représente le summum dans le vaudou. Donc vous croyez dans dambala, pas vrai? Écoute, nous pas vouloir prendre croyance là, dans ce sens ça, parce que moi je dis déjà que croyance là engendre la foi. Ok. Donc, je n'ai pas la foi dans Dambala, parce que moi, ouais, Dambala, la foi, c'est quoi, les yeux fermés, sans que je ne pose aucune question. Mais où est-ce que manifestation ouais, Dambala, en question de vous poser personnellement. Voilà. Est-ce que c'est dans un monde ou bien Dambala, parce que Dambala. Ouais, mais moi, mes questions, ça. Et Dambala manifesté dans l'essence, qui c'est un rayon énergétique qui vibre au monde, okay. Et puis force spirituelle, énergie, ça. Li révéler la caïmouna, marcher sous différents. Même avec Ogou Ferraille là. Yeah. Que l'autre boy a applaudi Superman, mais nous-mêmes, il dit c'est son celui. Et guérison. Yeah. Moi-même, depuis les m'a vivre. Mais c'est le cas pour le Saint-Esprit, tout. Et tout à l'heure. Depuis les m'a vivre, et beaucoup de gens, ouais, maman qui était l'église, qui ont tête fait mal, et puis le Saint-Esprit vini, il guérit. C'est loi dans la famille nous qui vini, et puis qui guérit. Mais bon, bagay, mais qu'on est. Par rapport avec tout débat ça yo immédiatement dit yon bagay qui gen rapport avec bon Dieu des monde senti offensé yo dit que Dieu pral montre au colère. C'est comme si la manifestation de ce Dieu n'est faite que par la colère. Mais quand les gens ils souffrent, quand Matisse absent, quand et nèg sa yo kap dirije nou la nan moment y a oppressé nous pese kou nous, on ne le voit nulle part. Pour qui ça c'est dans la colère, les exprimer. Pendant ce temps, loi mieux moi-même, les yo vini moins ouais yo. Et c'est pas un monde qui a fait ma carte non. Mais on boule différent avec mon Kimbel dans plein monde sans physique ça a pas affecté. Ça c'est de la manifestation. Mais je ne vois la manifestation du Saint Esprit que par des yon caméra, que par des yon micro, que parfois m'pas même comprendre langue. Qu'il y a parlé. Pasteur, tu dis c'est même chez le Saint-Esprit opéré? Non, bah quoi. Oui, on a vu des miracles avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, le diable, c'est un contrefacteur que lié. Il est juste contrefait les choses de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il est juste copié sous mon Dieu. Et ça fait, on devait ajouter ça, toute la spiritualité vient de Dieu. Mais la seule différence, c'est que Dieu n'aime pas Adam. Dieu aime son fils Jésus-Christ. Mais toutes les autres spiritualités viennent de Dieu. Mais Dieu est amour, comment il ne fait pas aimer Adam? Non, Dieu n'aime pas. Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Dieu est juste. Donc, pas d'un souverain, il y a même un livre, il y a même un livre. Exact. Hein? C'est exact? Ok. Pasteur, Jésus-Christ est 2000 ans passé, il dit la vie. Excusez, oui. Vous prenez une bagarre? Non, excusez, je devrais juste dire ça. Bien ça, il y a un langage anthropomorphisme. Quand tu utilises Dieu, raille au monde, ou bien Dieu regrette qu'il fait un bagarre, il juste utilise un langage qui est dans la dimension pour nous comprendre. Mais Dieu reste Dieu. Pasteur, Jésus-Christ, près de 2000 ans passés,
Il dit la vini, pourquoi j'aime vini. Est-ce que son fab ou bien c'est un mythe ou bien son réalité? La Bible en parle. La Bible en parle dans 2 Pierre 3, verset 9. Pendant que dans verset avant, il dit, mais il y a plusieurs monde qui ont fait questionnement sur ce sujet, ça, mais où est son avènement, où est Jésus-Christ qui est venu, pour sa date, ça ne peut pas venir. Et puis Pierre répond, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Mais il y a près de 2000 ans passé depuis Pierre t'a dit ça. Depuis Pierre t'a dit ça, il y a près de 2000 ans. Mais Dieu, attendez, lorsque le texte a dit Dieu ne. Alors, mais ça me l'a dit, il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc, c'est pour moi avant que ça gagne en pile le temps passé. Mais pour Dieu, Dieu, dans son planning, dans son agenda, Dieu est content fixé. Selon même, ça fait Dieu pour Jésus pour vivre. Pas seul pour tourner, c'est nous pour destin nous, mais pour faire ça, pour faire là, pour changer condition. Pendant ce temps. Sous dit pas tourner, ou admettre l'italé. Il n'y a pas de mettre aller, il n'y a pas de jambes aller, il n'y a pas de jambes venir, il n'y a pas de jambes tourner. Normalement, le christianisme, c'est importé en Haïti, c'est importé en Afrique. Donc, normalement, il y a une source, il y a un côté sorti. Et les gens qui sont nous là, les gens qui sont partant de Jésus-Christ pour construire des grands édifices, pour râler Dubaï. Donc, normalement, nous n'avons pas. Mais il y a une gentille blague aussi. C'est ça nous besoin dans la communauté, la dualité, à l'impact mener nous en côté. Donc, normalement, et où entre nos matrices, côté où nos sauveurs, dans le psyché, ils créent ça, les résignations. Résignation, ça va mener une acceptance de toute forme de maltraitance, de toute forme de sorte subie, parce que ou bon espérance que demain va mieux. Et pendant qu'on espère que demain va mieux, les hommes qui vivent dans le présent et qui comprennent le monde, qui ça a fait? Ils quittent au côté et puis eux-mêmes, ils avancent. Donc le paradis sur terre, il est bel et bien réel. Et l'enfer sur terre, il est là en Haïti. Vous considérez ça comme presque dernière déclaration, parce que vous avez ajouté. Oui, ça me l'a ajouté. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur certains points, parce que c'est sous-développement ça que je me parlais, que l'Église a gagné, l'Église sous-développée. Ils ont mal prêché, ils ont mal enseigné certaines choses, qui fait que il y a deux mondes qui trouvaient que c'est stupidité, ça n'en fait. Bien que il y a deux mondes à viser tout dans l'Église. Là. Pour moi-même, ils ont avancé que t'as ce fait là sous le christianisme importé. Pour moi, c'est pas seul le christianisme qui est importé, c'est les deux, soit le vaudou ou bien le christianisme. Pour qui ça? Parce que le vaudou pas gain naissance sur ce territoire là, il sorti au Bénin, donc il vient avec lui. Donc l'autre on va gagner importé, son va quitter son autre territoire et revenir avec son territoire. Donc le christianisme importé tout comme le vaudou, donc tout qu'on choisit ça ouvre. Donc mais en gros, est-ce que pasteur on connaît qui ça qui vaudou à venir? Pas même genre. Et déjà, vous me répondez tout rapidement. Le vaudou, ce n'est pas une religion. Donc, son spiritualité globale et mondiale. Il y a plusieurs vaudous. Le vaudou, c'est quatre éléments. L'air, l'eau, le feu et la terre. Donc, normalement, il y a une spiritualité qui englobe toute force cosmique qui vient dans la nature. Ou pas qu'à sortir avec le béno, mettre la naïti pour l'y apporter. Mais tout comme Jésus-Christ. C'est une arrêté dans l'idée que Dieu est le créateur du monde. Donc, nous n'avons pas qu'à dire Dieu importé tout. Si nous avons pensé quoi, concept là, pas de quoi, non, mais si nous avons pensé quoi, si Dieu est créateur du monde là, mais le monde c'est pour Dieu. D'abord, il y a l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, Dieu établi. Mais il y a une réflexion, un besoin qui émane de tout le monde qui attend là dans le moment. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Par exemple, au lever en Haïti, le christianisme, c'est forcé ou pas choisi. Il y a quelqu'un qui mettait devant conceptualité. Sous-point Satan, on va dans l'enfer, sous-point bon Dieu, bon, on va accepter. Ça, c'est de la programmation. Excusez-moi, ça me l'a dit. Excusez-moi, ma pape, juste ça. C'est ce qu'on nous a dit. Vous connaissez ça que fait mon petit genre. Vous comprenez pas d'accord. Pour qui ça, c'est parce que, tout comme le vaudou, les gens qui dans le vaudou sont appelés liés, les gens qui ont servi bon Dieu sont appelés liés. Est-ce que vous n'avez pas n'importe qui vont bon matin et puis là, ils font les manger? Donc, son monde que bon Dieu choisit, bon Dieu relève. Bien que bon Dieu mette des agents qui pour annoncer l'évangile, mais on ne peut pas croire s'il pas veut croire, ou bien s'il pas un appel de l'intérieur. Donc, tout comme ou même peut-être c'est choisi, non, peut-être qu'on va comment relève ça. Donc, ou choisi, mais moi aussi j'ai été choisi. Donc,
c'est pas un hasard que moi chrétien, tout comme c'est pas un hasard que vous êtes vaudouvi. Oui, c'est pas un hasard, oui. Voilà. Donc c'est un choix. Et ça, comme le diable, c'est un contrefacteur des choses de Dieu. Il est juste contrefaire les choses de Dieu, mais pas une trop de différence. On a dit que côté de contrer, c'est que nos spirituels, même gens. Ma dernière question pour vous, pasteur. Est-ce que tu as pensé tard, il y a un diable ou même un bon Dieu? Moi-même? Oui, soit, est-ce qu'on a dit comme ça? Très belle question. Ok, ce sont très belles questions. Je réponds pour moi, je réponds pour tard parce que tard, par contre. Pour vous, vous ou vous Moi, je crois que je suis un bon Dieu, je ne sais pas qui c'est tard. Non, c'est une belle réponse. Ça, ou même quand on. Au moins, ça change. Au moins, ça change. Bravo, les amis, c'est un plaisir de vous dire au revoir, nous.